Bonjour, aujourd'hui un coup de cœur sur une bande dessinée Flipette et Vénère d'Andrea Lucrèce. C'est l'histoire de deux sœurs, Clara et Axel, que tout oppose. Clara c'est Flipette, Axel c'est Vénère. Flipette est une jeune photographe pleine de talent mais sans aucune confiance en elle, qui vit dans sa bulle artistique. Vénère, elle, est plutôt du genre ultra militante et antisociale. Elle est engagée et rentre dans le tas avec toute sa rage et sa détermination. Flipette et Vénère ne se parlent plus. Axel a coupé les ponts avec sa mère et sa sœur. Quand la mère apprend que sa plus jeune fille a eu un accident de scooter, elle demande à son aîné de retrouver sa trace. Les retrouvailles sont houleuses, mais peu à peu, Clara réussit à entrer dans l'univers de sa sœur, qui se retrouve immobilisée, le pied dans le plâtre. Et là, c'est le choc. Clara remplace Axel au sein d'une association et découvre un monde inconnu pour elle. Chacune sera poussée dans ses retranchements et s'imprégnera des qualités de l'autre. Les couleurs choisies sont très tranchées et permettent d'affiner les deux caractères opposés des personnages. Un roman graphique qui met en scène deux sœurs totalement différentes dans leurs attitudes et leurs convictions et volontairement dépeintes à l'extrême. Ces deux visions des choses nous poussent à nous interroger sur notre société. Bonne lecture !